passer, on essaie de nous expliquer ça avec toutes les subtilités du monde, toutes les tournures synthétiques et tout le reste pour nous dire, il est d'abord grand joueur, il est ancien joueur, il est footballeur, donc il peut signer des choses, il peut signer des contrats, c'est pas votre problème. C'est son argent, c'est pas pour vous. Et aujourd'hui, quand on se tue maintenant, c'est-à-dire qu'il y a eu deux phases dans ce problème. Il y a eu deux, j'ai envie de dire, deux périodes. La première période, c'est la justification de la signature du contrat. On justifie, on explique, on s'en vante, on s'en targue et on nargue les gens. Je ne parle pas de Samuel, je parle des fans. Parce que lui, dans ces choses-là, peut-être qu'il est juste mal entouré, mal conseillé et on ne lui dit pas la vérité. Quand on ne va pas dire ça. Il dit peut-être. Oui, voilà, mais faisons attention au mot. Je dis peut-être. Oui, je suis dans les mots. Une expression française qui a une valeur. Mais le dire déjà. Qui me dit, ça peut ne pas être le cas. Il y a les peut-être qui ne sont pas peut-être. Non, je dis et je répète et j'assume. Peut-être qu'il est mal entouré. Et il y a les peut-être qui ne sont pas peut-être. Ce n'est pas une déclaration, c'est une hypothèse. Ce n'est pas une affirmation. Une vraie hypothèse ou alors une hypothèse rhétorique. C'est comme vous voulez. Ok. Bon, voilà. Donc, peut-être qu'il est mal entouré. Peut-être qu'on ne dit pas suffisamment la vérité. On ne dit pas, monsieur le président, à ce niveau, ça risque de vous, vous engager dans des voies, dans des problèmes. Comme avec les ruptures abusives des contrats, tout ça. Tout le monde est là, d'accord, oui, allons-y. Donc, aujourd'hui, donc, je parle des deux périodes. La première période, on a accepté, on a validé, on a applaudi. La deuxième période, les mêmes gens qui vous disaient hier que c'était un exploit, il est libre, c'est son problème, c'est sa vie. Aujourd'hui, ils vous disent, il n'a pas signé. Il n'a pas signé. La rhétorique, le mot, la phrase qui revient, il n'a pas signé. Mais est-ce que ces gens-là... On a finalement fait une chanson avec cette phrase-là. Il n'a pas signé. Mais Yannick Renaud. Il n'a pas signé. Est-ce que cette personne qui disait qu'il a signé, était là quand il signait, est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont les extraits? Parce que l'avocat, quand même, parlant de cette signature, dit un élément assez important. Il dit, là encore, une fois de plus, on inverse les rôles. Il dit, monsieur n'a jamais signé, monsieur Eto'o n'a jamais signé un contrat à titre personnel. Il a apporté la preuve de la signature des deux contrats, le pré-contrat et le contrat final. Il dit, là encore, une fois de plus, on inverse les rôles. C'est-à-dire qu'on a des accusations qui sont proférées et c'est à l'accusé d'apporter la preuve de son innocence, donc l'inverse. Ce qu'on comprend de ce qu'il dit que Samuel Eto'o, les accusateurs ou alors l'accusation n'a pas apporté la preuve de la signature de Samuel Eto'o avec cette entreprise-là. Et qu'on demande à Samuel Eto'o d'apporter plutôt de contre-preuves. Pourtant, il n'y a pas de preuves qui montrent qu'il a une signature. La vérité, mon cher Magé, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que quand on est dans un procès, comme celui-là, dont les auditions, parce que au moment où nous parlons, après les auditions sont terminées, donc nos commentaires, nos analyses n'influencent pas forcément le coup de le verdict ou la sentence. En principe, le rôle des avocats, c'est quoi? C'est de démontrer que toute preuve qui sera produite, qui peut être produite, n'est pas valable. Mais là, il dit qu'il y en a même je pas. Je suis en train de... Quand vous posez la question, allez-y, monsieur. Le rôle de l'avocat, c'est justement de dire que tout ce qui peut exister comme preuve n'est pas valable. Même la preuve où on a pris quelqu'un en flagrant délit. Les avocats, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc, il vous dit qu'il n'y a pas de preuve, qu'il n'a jamais signé, apporter des éléments. Qu'il n'y a pas la preuve de la signature. Je vous demande, lorsque les différentes chaînes de télévision ont couvert la signature de One Is Bet, le partenariat entre One Is Bet et le président de la fédération, Samuel Eto'o fils, il s'agissait de quoi? Est-ce que dans le texte, dans les comptes rendus, vous avez entendu parler de pré-contrat ou je ne sais pas trop quoi, est-ce que quand le concerné s'exprime, parce qu'il a fait quelle chaîne de télévision, par exemple? Ils ont quatre et consoles. C'est nombreux. Est-ce que quand le concerné s'exprime, quand il parle, quand il donne ses impressions par rapport à cette signature de contrat, parce que c'est ça qu'il s'agit, il s'est agi à ce moment-là, la signature de contrat, on les a invités, les médias et tout le reste, à venir assister à la signature du contrat. Est-ce que quand il s'exprime, quand il donne ses impressions, après la signature du contrat, il vous dit que ce n'est pas un contrat qui signe? Mais c'est... Non, il ne dit pas ça. Deuxième chose. Par la suite, on va assister à la publicisation, la promotion de cette entreprise par le concerné.
Déjà, on va voir les affiches partout, les grandes, les affiches de 4x3 et tout ça, 4 et tout ça, dans la ville, avec le conseiller. D'ailleurs, quand vous regardez les images, il ne faut pas vous dire qu'il n'a pas signé de contrat et tout ça, voilà. Il est ambassadeur de cette marque. Il est brand ambassadeur de cette marque. C'est quoi être brand ambassadeur? C'est quoi? Pour le devenir, il faut signer un contrat de brand ambassadeur. Il faut signer un contrat avec cette entreprise-là. C'est pour que votre image soit exploitée, attention, pour que votre image soit exploitée, qu'on colle ces logos sur vos images et qu'on partage partout dans le monde et dans les affiches, dans les rues, tout ça là, sur les panneaux publicitaires. Il faut que vous ayez signé, que vous soyez mis d'accord avec cette entreprise. On ne fait pas ça quand on n'a pas fait un accord, quand on n'a pas passé un accord, quand on ne s'est pas assis et on a signé des contrats. D'ailleurs, il y a des images. Il y a des images qui montrent le président de la fédération avec le boss de One Is Back Cameroun à cette époque-là, dans des signatures et dans des documents qu'ils ont chacun, qui tiennent chacun à la main. Ce qui n'est pas preuve d'une signature de contrat. S'il vous plaît. Ce que vous avez dit avant. On est parti de blaguer. Soyez sérieux. Je suis pas bête. Ce que vous avez dit avant. Ce que j'ai dit avant, c'est une preuve. Ça constitue des preuves qu'il aurait peut-être signé des contrats. Vous avez parlé des postes où on parle de brand ambassadeur, où on parle d'ambassadeur. Mais après, deux personnes qui se fument avec des documents, ce n'est pas la preuve de la signature de contrat. Je crois que j'ai énuméré un certain nombre de choses. Oui, si vous que j'ai respecté. Si vous accrochez sur un détail, non, c'est parce que vous voulez à tout prix défendre. Yannick Renaud. Après, ce sont aussi les détails qui peuvent faire l'élément. Ce sont les détails peuvent légèrement jouer. On a parlé de la cérémonie. Des gens comme toi et beaucoup d'autres hommes de médias ont été présents. Ils ont filmé, ils ont posé des questions. Il y a des gens qui sont amusés sur Facebook. Je vous conseille, et c'est vrai. Il y a des gens qui sont amusés sur Facebook à dire que Raoul, qui sont bien amis, jamais rêvé d'être collègue de. Et ça met office. Quand ça va, ils se mettent, ils sont collègues parce qu'on les voit maintenant se pavaner, monter, descendre. Bon, c'était pour des gens qui n'ont pas la preuve qu'il a signé. C'était pour les reportages. C'était juste un exemple. Donc, les gens qui ont assisté à la signature, les gens qui ont vu, qui ont vécu. Suffisant qu'à vous avez peut-être des archives, vous pouvez fouiller le reportage de Rambo Sambia sur la signature du contrat entre Wanisbet et le président de la fédération. Le président de la fédération, sur ses différentes plateformes, a publié, a fait des publications par rapport justement pour annoncer la signature de ce contrat. Donc, où est-ce que je vais arriver? Je vais arriver au fait que pourquoi est-ce que les publications ont été supprimées? C'est pour permettre justement, c'est pour empêcher, notamment à la cour ou aux accusateurs, au cas où ils ne l'auraient pas encore fait, d'avoir ces preuves-là, matérielles, en termes de publication sur les réseaux sociaux. Encore que dans un procès, on est même capable d'aller vous dire que c'est un pirate, ça peut être l'objet de l'œuvre d'un pirate. Parce que vous ne comprenez pas les enjeux, mon cher Angique. Quelqu'un a signé des trucs. Quelqu'un a publié des trucs. Et aujourd'hui, ses avocats disent qu'il n'a pas signé. Et qu'il n'était rien dans cette affaire-là. Il n'avait rien à voir. Par le passé, c'est Tam Tam qu'il a sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Conso, dans les médias. On passait le temps à dire, c'est historique. On va éviter ce genre d'expression. Mais Yannick Renaud, j'ai une question. Je veux savoir pourquoi, si toutes ces preuves existent, elles n'ont pas été déposées au niveau de la CAF? Parce que l'avocat nous dit qu'il n'y a pas de preuves et qu'on demande à Samuel Eto'o de prouver qu'il est innocent. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. C'est ce que l'avocat nous dit. Vous ne pouvez pas dire ça. Lui, je vous ai dit que le rôle de l'avocat, c'est de dire que vous. Moi, je me base sur la sortie de l'avocat. Oui. Je suis en train de vous dire que le rôle de l'avocat, c'est de vous dire que la preuve, même quand elle est là, ce n'est pas une preuve. Donc il y a la preuve et l'avocat est en train de mentir. À votre avis, un procès, une affaire qui a commencé depuis lundi, nous sommes aujourd'hui, une semaine après, toujours pas de verdict, pensez que c'est parce qu'il n'y a pas de preuve? Il y a des preuves. Il y a des preuves. Et on va parler de ça. Pourquoi on va parler de ça tout à l'heure. Les preuves, quand on doit faire des accusations, les preuves existent toujours. C'est à l'accusé de montrer justement qu'il est innocent. Mais l'avocat dit le contraire. Il ne nous informe pas. Non, l'avocat dit qu'on demande à l'accusé de montrer qu'il est innocent. Mais effectivement. Sans preuve. Non.
il y a des preuves. Ça veut dire que quand on vous accuse de. Non, mais c'est pas possible ça. Et le même avocat vous dit qu'il y a un audio. Mais que c'est l'audio est faux. On parle de la preuve. On parle de la signature. Non, il parle exact. Il parle de quelque chose de précis. Il y a des preuves de la signature. Mon cher Magique, les accusations de ces gens-là qui sont allés porter plainte à la CAF, il y en avait plusieurs. Qu'est-ce qui a été retenu sur le banc? Là, il parle des preuves de la signature. S'il vous plaît.